Johnny Charron, premier vainqueur du jour. Tu lances bien ton week-end du Grand Cible, Johnny? Tu t'es baladé? Ouais. Bah, fallait pas louper le coche. Et... Donc voilà, j'avais vu des choses, on s'est mis d'accord avec David et voilà, la bonne est prise. Bah ouais, parce qu'elle restait sur 3ème, toi t'avais toujours su qu'elle valait un groupe 3 comme ça? Elle avait débuté un peu bêtement, la jument avait été à Londres, elle avait pris la main à James. Le coup d'après, elle a pas eu une vraie course, donc elle savait pas qu'il fallait lutter pour finir et c'est la seule qui est venue accélérer, qui est venue finir sur la gagnante. Donc là, j'ai dit, faut lui mettre l'inverse. Donc ouais, j'ai réussi à lui faire l'inverse, donc on a fait la différence, je pense. T'as dû avoir des drôles de sensations, hein. Ouais, elle est pas précoce encore parce qu'elle est gauchère. Elle cherche ses appuis sur ses abords. Donc on doit venir. Là, à l'automne, elle va faire mal celle-là. Attention au combat CRS alors. Ouais, bah on verra. C'est le patron qui décide et un petit clin d'œil à Monsieur Pilarski qui est devant sa télé. Bravo, Johnny. La famille Pilarski en force, Pierre le papa n'est pas là, représenté par le fiston Hugo. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas eu trop de suspense là, elle a gagné quasiment toute la course, elle a gagné en se promenant cette chica du Berlay. Oui, c'est vrai, elle a vraiment très bien gagné. C'est vrai que la première course, donc elle a couru déjà deux fois avant celle-ci. La première course, elle est encore très bébé, beaucoup d'erreurs sur ses sauts. Celle d'après, le Girofla, si je ne dis pas de bêtises, elle a vraiment fini vers l'avant. Je pense que si la distance s'allongeait, elle aurait sûrement gagné. Et aujourd'hui, quand la distance s'est allongée, elle a gagné vraiment très bien. Elle a même fini vers l'avant, donc voilà, c'est vraiment super. On a souvent l'habitude de voir votre père aux courses. Là, de plus en plus, vous investissez. D'ailleurs, vous avez un nom partagé sur la colonne des propriétaires. C'est quelque chose qui vous prend au trip, ça, les courses d'obstacles? Oui, c'est vrai que contrairement au trou, j'étais encore un petit peu jeune. Et c'est vrai que lui, à ce moment, il avait vraiment pas forcément plus besoin de moi. Et c'est vrai que l'obstacle, c'est quelque chose qui me prend vraiment au trip. C'est quelque chose où en tout cas, je me reconnais beaucoup plus qu'au trou et qu'au plat. Discipline que j'aime quand même, mais c'est vrai que l'obstacle, il y a un petit truc en plus. Et ça résonne avec le sportif qui est en moi, un peu, on va dire, le sportif de fond. Et voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci. Je suis rejoint par David Cotin, heureux entraîneur de la gagnante du prix Sagan, Chica du Berlay. Ça a dû te faire quelque chose de spécial de recevoir déjà cette Chica du Berlay, la fille de Nikita, qui t'a apporté tant de joie en piste en tant que jockey. Oui, bah on a eu la sœur déjà, Angela, en début de carrière. Et Chica, elle a énormément de classe. Toi, t'en as abordé plein des week-ends comme ça du Grand Stiple en tant que jockey, en tant qu'entraîneur de plus en plus. Est-ce que ça libère un petit peu de pression de gagner comme ça d'entrée? Non, je te coupe direct. Non, pas du tout. Pas du tout, mais ça met en confiance un petit peu, non? Bah, c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais les chevaux me paraissent bien. Maintenant, il faut que tout s'aligne, que tous les chevaux aient un bon parcours et que ça se passe bien. Il y a quand même une bonne part de chance dans les courses. Les chevaux me paraissent bien, maintenant voilà, il faut que tout se déroule au mieux. Bravo David. Une fois de plus, l'élevage du Berlay est à l'honneur ici à Auteuil. Marc-Antoine, Lucas, j'aimerais commencer par le fait que ce soit la fille de la grande championne Nikita du Berlay, ça doit avoir une place particulière dans le cœur des Lucas. Bah exactement, on est très satisfait de Chica. Elle s'appelle Chica aussi parce que c'est la grand-mère, donc c'est quand même la colonne vertébrale de la famille du Berlay. Et du coup, ça encore honore son nom aujourd'hui. Et oui, c'est une satisfaction de pouvoir confirmer la qualité de Nikita du Berlay. Le choix de Born to See, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Bantoussi, non, ça a été fait, on a tenté, on a essayé, comme on a essayé encore d'autres croisements aujourd'hui. En stock, on a toujours eu des très très bons produits. Ça, et aujourd'hui, on a des 2 ans qui sont magnifiques. Et du coup, voilà, il fallait tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Et aujourd'hui, ça confirme que Bantoussi est bon obstacle. Et on espère par la suite de pouvoir garantir encore des très bonnes performances avec Bantoussi. Et puis là, cette Chica du Berlay, elle semble l'avoir être que sur la montante. Et on a hâte de voir le prix qu'on va célébrer, j'imagine. Bah ça après, l'avenir nous le dira, on espère que ça nous en tant qu'éleveurs. Et voilà, donc c'est vrai qu'il faut quand même prendre le temps, on a quand même pensé qu'elle était quand même très précoce. On s'est un peu trompé, on lui a laissé le temps. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que David Cotin a su la gérer, parce qu'il connaît quand même très bien la famille, hein, il a monté sa mère. Et du coup voilà, il faut prendre le temps, il faut encore peaufiner quelque chose. Mais si un jour le groupe 1, ça serait magnifique. Hein. Félicitations. Merci encore.